Aujourd'hui, on va parler de ma box après un mois de jeu, après quasiment 10 portails qui sont sortis. On va aller voir ça ensemble. J'espère que vous, de votre côté, le jeu vous plaît, même s'il y a quelques petits défauts. Mais c'est pas pour autant que ça nuit à l'expérience du joueur. Et on va parler un peu de tout et de rien, de ma box, de ce que j'ai drop, de ce que j'ai pas drop, du nombre de multi que j'ai fait depuis le début du jeu. Et on va parler des futurs personnages qui comptent sortir courant été. C'est parti. Alors, tout d'abord, ma petite box, elle donne plus ou moins ça. J'ai un Mars. J'ai Mars avec 47 000 de puissance. En termes d'items, ça commence à venir petit à petit. On avance, on se met bien. On ne drop pas assez malheureusement, mais ça commence à venir petit à petit. En dehors de ça, j'ai quand même du stuff UR qui me carrie un peu et qui est focalisé un peu pour ce personnage en blocage et pour la plupart d'entre eux en vie et en défense. J'ai un peu de magie, pourcentage de magie supplémentaire, critique, parce que c'est les substats, on peut pas tout avoir. Après lui, il va bientôt bouger. Si j'arrive à avoir des substats équivalents à ça pour du UR, avec du blocage, d'esquive, de la résistance aux critiques et autres, ben, je pense concrètement que le perso sera vraiment davantage intéressant, en sachant que là, il tank vraiment, je dirais, aller 5-6 tours en PVP, et en PVE, ben, il crève pas, quoi. Il crève pas. Pour le reste, alors lui, je me suis focalisé un peu. On va vraiment aller dans les grandes lignes parce que vous avez vu, j'ai sa carte. J'ai pas tout monté ici parce que j'ai commencé à justement monter Vetto qu'on va parler après. Et on va bien sûr préparer le showcase du personnage. Okay, derrière, les deux DPS sont correctement montés mais pas assez de puissance pour Yami. Pas encore le stuff nécessaire pour le personnage. Vu que je ne drop pas les stuff uniques. Pourquoi j'ai un truc en moi? Ok. Bizarre. Bizarre. On va équiper ça. On va garder ça pour le moment parce que j'ai pas un stuff incroyable, n'empêche, sur lui. J'aurai ça en off. En vrai de vrai. Après, j'ai pas des subsets de ouf, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'arrête de toute façon en off ce que je pourrais mettre sur lui parce que j'étais focalisé sur Rhya et Vetto. Après, tout ce qui est arbre de compétences et tout, j'ai pas eu le temps, j'ai réellement pas eu le temps de farm ce côté là parce que entre up toutes mes unités LR, farmer leurs équipements, farmer les ressources pour améliorer les équipements. Me demande énormément de temps. Qui plus est, derrière, il faut aussi faire le PVP, il faut faire les matchs, il faut faire le PVE en challenge limité et tout, et ça prend un peu de temps. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de me pencher sur ce côté-là des personnages pour justement améliorer l'arbre de compétences. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, on va continuer un peu. Tour de box, n'oublions pas que je suis à quasiment 80 multi, un peu plus, un peu moins, en environ 80 multi, dans les environs. Et la plupart de mes persos ont leur carte. J'ai Yami, j'ai Licht, j'ai lui avec sa carte, j'ai Lotus également, j'ai Rill avec sa carte. Elle, j'ai pas sa carte, mais voilà, j'ai des cartes universelles. Lui pas encore, Léopold non plus, Rhya je l'ai, Vetto j'ai sa carte également. Quasiment tous mes persos, à 3 persos près. Lui je pense pas avoir sa carte. Non ouais, j'ai équipé comme ça. Concrètement, je pense concrètement que je vais le montrer largement plus tard pour ma team mono couleur verte. Après le problème c'est que j'ai une team qui se focalise quasiment que sur du DPS. J'ai Licht, Rhya, Vetto. Qu'est-ce que j'ai Vetto? Fuego Leon et ben, j'ai que ça en DPS, plutôt en team bleu. Ah oui, j'ai Rill également, autant pour moi. Vu que là, je commence à avoir une team de plus en plus correcte, justement, pour farmer les autres, on va avancer. Mais pour le moment, le niveau 15, je le fais que sur qu'avec la team bleue, avec le duo Mars et Lotus, suivi de Nozel et Yami. Là, c'est une vidéo vraiment directe, les gars. Il n'y a pas forcément de montage. On va directement droit au but. Alors, concernant les cartes, je vous ai montré les cartes que j'avais sur le que j'ai sur les différents personnages, mais je vous ai pas montré toute ma box de cartes. Alors là, j'en ai 4 ici. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont... Je me suis pas trop penché là-dessus, comme je dis. Et derrière, ici, j'en ai pas mal. J'ai Vengeance. J'ai Yami. J'ai également Jack. Malheureusement, j'ai pas drop les unités, mais voilà. Ça avance petit à petit. Concernant les autres, d'ailleurs, je pense que la plupart d'entre elles, je peux les monter. Ouais. On va les monter, on parle tranquille. Tranquille, il y a quoi? Il n'y a pas d'autre. Balthos, je peux le monter également. Ouais, je peux le monter, c'est tranquille. Il y a qui d'autre que je pourrais monter? À gauche, que je peux le monter également. Ah, j'en ai deux, ouais. J'en ai deux. Après, c'est correct, hein. On avance petit à petit avec ça. Ah, n'oublions pas, les amis, qu'il faut que vous fassiez justement vos améliorations de cartes. Ça va vous permettre de gagner des points pour la guilde. Ok. Voilà, on va pas tout faire parce que ça va prendre un peu de temps. Mais voilà un peu à peu près ce que donne ma team là. Je suis en train de monter petit à petit lui. Je suis en train de me focaliser justement ici. Aussi également Vetto, lui qui est monté l'air récemment. Il faut que je farme également les potions pour le passer level 80. Les deux là, il faut que je les passe 80. Enfin, level 100. On verra ce que ça va donner. Et là, je crois que je peux monter LR plus 2. Voilà, j'en ai deux. Mais je vais le garder pour justement si j'arrive à drop les persos saisonniers qui vont arriver d'ici une semaine. Maintenant, on va parler un peu de ressources avant d'entamer justement les personnages. Le PVP également. D'ailleurs, le PVP, je crois que ouais, je suis loin du compte, mais je crois que je vais refiler aujourd'hui justement pour me permettre de... Je sais pas si... Je pense pas rentrer dans le classement. Je pense pas rentrer dans l'Upper League. J'étais un peu efficace cette semaine. J'avais des petits trucs à faire avec les montages vidéo et tout, à préparer et les futurs projets. Du coup, les ressources. Les ressources, voilà, ça donne à peu près ça. On se prépare également pour ça. Là, on a 32 tickets. Oh, j'avais pas vu que j'avais autant. Ah ben, let's go. Let's go, let's go. On va également ouvrir ça. Il me semble que je drop des cartes nécessaires. Enfin, bref, enfin en soi, j'ai déjà drop une carte nécessaire là-dedans, mais... Ouais, ça m'aurait étonné. Ok. Et derrière, je dirais quoi? Pas grand chose. Là, ça, on va garder. J'en ai 5. Ok, bon, on a tout ouvert. 5 plus 50 ici. Enfin, 4 ou 450. On a un peu de bouffe. On a des trucs à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on a dans les autres onglets? Des équipements, voilà. Et ouais, j'ai fait des... Et dites-vous que là, faut compter ça, mais fois 10 pour chaque truc. Du coup, si on prend en compte que j'ai autant de ressources, enfin d'amulettes et tout, comptez le nombre d'équipements que j'avais si j'avais pas fait les amulettes et tout. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 22, 28, 34 et 35. 35, ben voilà, j'ai utilisé 350 350 équipements, plus ou moins 350 équipements pour arriver à ce stade-là. Nécessaire. Après, voilà, c'est pas ouf. Après, c'est un peu dur. C'est vraiment dur du drop, du R. Du R en super stat, hein, pas du R basique. Hein. Du R basique, pas ouf. Après, il y a les substats à avoir, les ressources pour justement améliorer tout ça. Ouais, je commence réellement à farm les potions pour le portail saisonnier si j'arrive à le drop. Après, là, j'ai pas beaucoup de ressources. Là, enfin, pour améliorer justement les persos, j'ai les ressources. Enfin, les armes, les équipements. J'ai de quoi. Là, j'ai de la bonne bouffe. Là, brocoli et patates. Ok, nickel. Après, concernant les sorts des personnages, comme vous avez vu, ils sont tous montés au niveau 3 parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau portail et du coup, je me focalise sur ces nouvelles unités, ne serait-ce qu'augmenter les sorts au niveau 3 parce que c'est là où ils commencent vraiment à être intéressants. Avant, c'est trop basique. Les nouveaux personnages, alors selon moi, ce que je verrais, ce serait un Landris. Pas de suite, il y aura deux, je pense qu'il y aura bientôt le PVP de guilde qui va arriver d'ici, je pense, grand maximum un mois. Ouais, il va arriver d'ici fin juillet. Le PVP de guilde arrivera d'ici fin juillet. Et derrière, on aura pas mal de contenu. Je pense qu'on pourrait avoir une petite collab. Enfin non, j'abuse un peu, c'est trop tôt pour les collabs. Mais je pense qu'on pourrait avoir plus de contenu, des vrais events. Des boss, on verra ce qu'ils vont nous donner parce que pour le moment on a ça avec le truc de Noël que je ferai après. On a également le raid et à côté on a ça. Bon, c'est pas folichon. Et derrière on a également justement on a encore ça. Okay. On a ça qui nous permet de récupérer 1100 par mois avec justement les bouffes d'affinité qui nous permettent d'économiser la stamina. Hein. Je pense que là, on aura le nouveau mode justement qui va nous permettre de drop, ça. Un nouveau mode, un nouveau event de boss qui pourrait être grave intéressant. Je sais pas ce qu'ils vont ajouter. Je pense un délire de démon. Démon de guilde ou démon qu'on a vu dans l'intro au début du jeu. Ça pourrait être grave intéressant. Reste à savoir de comment ils vont apporter ça. Si le perso sera immunisé à certains malus ou à certains effets. Et après, si l'event est bon, on aura des bonnes ressources, des bonnes récompenses à échanger dans le shop. Et ça sera pas mal, Du coup, concernant les unités, alors là, on va aborder rapidement le sujet, mais j'en ferai une vidéo largement plus complète et pourquoi j'ai... Et pourquoi tout simplement j'ai pensé à ces personnages. Alors tout d'abord, au vu des deux prochains chapitres, au vu que là, enfin là, on est dans l'arc sauvetage de Sally et tout, à la fin, où ils se téléportent pour s'enfuir. Et du coup, je pense qu'on va bientôt arriver à l'arc elf. Mais entre-temps, avant d'arriver à l'arc elf, on a la grotte. Où justement Noël sera présente. Du coup, pourquoi pas Noël DPS avec le rugissement du dragon, suivi d'une nouvelle forme de justement Vanessa, une nouvelle version de Vanessa. Quoi d'autre? J'aurais qui d'autre? Vu que Final est déjà là en SR, je pense pas qu'il y aura d'autres versions. Mais voilà, pour les bannières saisonnières, je verrai Noël, Mars et Yuno. Derrière, pour les persos rate up, du coup les persos, enfin les portails normands, je verrai Langris et des personnages de Diamond. En fait, il y a tellement de personnages de Diamond que je pourrais pas vous dire. Celui qui était accompagné de Mars, pour être lui. Il y a qui d'autre? Il y a un portail, enfin là il y a un personnage que j'ai pas mentionné, mais je verrai justement Dorothy, celle qui a la possibilité d'enfermer quelqu'un dans une dimension parallèle, et également une chef. Je verrai elle, du coup, Dorothy Unsworth, qui est la capitaine du paon de corail. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les trailers du début, avant le lancement du jeu, dans la publicité et tout, il y avait ce personnage qui est justement Dorothy dans les pubs. Et ce qui est bizarre, c'est que le perso n'est pas sorti en fin de compte avec les autres personnages, tandis que il y avait déjà les trois quarts la totalité des capitaines qui étaient sortis, ce qui veut dire qu'elle pourrait sortir courant ce mois ou courant du mois d'août avec le prochain portail saisonnier, du coup pas celui qui arrive dans quelques jours, mais celui qui arrivera par la suite. Du coup voilà. Comme je vous l'ai dit, les gars, je ne vais pas m'attarder sur les détails, sur une vidéo largement plus complète. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.